Spartiate, quel est votre métier? Do not look back. Ça fait des années qu'on s'entraîne sur les toits. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On s'entraîne sur les trottoirs, en bas. Et c'est là qu'il y a un réel danger. On n'est pas fou. On est juste là pour vivre notre passion. Il n'y a plus de toi, c'est fini tout ça, ça sert à rien. Le sol, a grand culture. On va passer le pas. Allez, la caméra. Que ce projet, on y avait pensé depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu le courage de le faire. Des hauteurs comme celle-là, c'est compliqué à assumer. Donc là, on se balade avec Baptiste, il trouve une poubelle. Il décide de faire dive la poubelle ouverte, beaucoup trop facile. Du coup, moi, je l'ai aiguillé pour faire dive la poubelle fermée. Et là, il y a un réel danger, un réel risque. Il se nettoyait les mains, il testait l'atterrissage, le décollage. S'il tombe, c'est la mort assurée. Alex, il se prépare pour son saut là. Et il faut se dire que je le connais depuis au moins une dizaine d'années. Je sais que ça va pas être facile, mais je sais qu'il va réussir à encaisser. C'est pas le saut, c'est pas le genre de saut qu'on fait tous les jours. Il faut de la préparation. Ce saut, il l'a vu depuis au moins un an, deux ans. Il s'y prépare, il s'y concentre, et on arrive devant et on se dit parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà, je suis balayeur, MPO, do not look back. Voilà. Ça va faire juste un mot de contraste.